Marie-Laure Viebel, l'ex-femme de Dominique de Villepin, participe à sa manière aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En effet, l'artiste expose une œuvre en lien avec l'événement sportif dans les rues de Paris. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencent dans moins de 10 jours avec une cérémonie d'ouverture sur la scène très attendue. En dehors des épreuves sportives, de nombreuses animations sont attendues dans Paris et ses alentours. Marie-Laure Viebel, l'ex-femme de Dominique de Villepin, contribue d'ailleurs à sa manière à l'événement sportif. En effet, comme le relève son fils, Arthur de Villepin sur son compte Instagram, cette dernière a réalisé une sculpture exposée dans Paris, et plus précisément sur la place Saint-Germain-des-Prés. Intitulée « Front contre front, ensemble », l'œuvre représente la notion de l'affrontement au cœur de la compétition sportive, peut-on lire sur un papier partagé dans la story Instagram du fils de l'homme politique. La sculpture représente deux fourculasses géantes. Le communiqué précise que les personnes qui se retrouvent face au travail de Marie-Laure Viebel sont invitées à déambuler sous l'œuvre et à formuler un vœu. Il est possible de voir cette exposition du 4 juillet au 4 septembre prochain. Sur son compte Instagram, Arthur de Villepin a exprimé sa fierté. En légende d'une photo de lui devant la sculpture, il écrit « Si fier de ma formidable maman pour cette belle sculpture ». Dominique de Villepin, pourquoi son mariage avec Marie-Laure Viebel a pris fin? Après leur mariage le 3 août 1985, Dominique de Villepin et Marie-Laure Viebel donnent naissance à une fille un an plus tard, prénommée Marie. En 1988, le couple accueille un garçon du nom d'Arthur. Deux ans plus tard, l'homme politique et l'artiste deviennent parents pour la troisième fois d'une fille, Victoire. Cependant, en 2011, après 16 ans de mariage, les époux décident de divorcer. Dans nos colonnes, Marie-Laure Viebel révèle alors que la politique a joué un rôle dans la fin de son union avec le premier ministre de Jacques Chirac. C'est plus fort que tout. Dominique a cela en lui. L'engagement politique, c'est sa vie. Pour ma part, j'ai joué le jeu pendant des années et je veux tourner la page. Mais lui a décidé de continuer. Je prends donc un autre chemin. C'est douloureux pour tout le monde.